Et bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe de Passion MGS, bienvenue pour cet épisode 2 de The Forest en mode survie difficile. Tout d'abord, avant de commencer, merci énormément pour tous vos commentaires de soutien et d'encouragement. Ça m'a fait énormément plaisir. Le premier épisode a été vraiment très bien accueilli, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes encore tous présents. Tout de suite, on va continuer. Du coup, on a fait jour 1, jour 2. On a beaucoup de choses à faire. Alors, on va essayer de ne pas perdre de temps. On va regarder nos stats d'abord. Il y a eu le reset, il y a eu le reset des calories. Donc, on n'a pas pris de poids, donc c'est bien, on était bien. Et on va continuer de faire augmenter notre force et notre athlétisme. Ok. Armure thermique, faudra qu'on fasse les bottes aussi, hein, parce que les bottes en peau de lapin, elles donnent 2 en armure thermique, c'est déjà ça, en attendant d'avoir la combi chaude, qui demande beaucoup de trucs, hein, la combi chaude, hein, quand même. On a quand même récupéré la peau de raton laveur, c'était déjà pas mal par nuit. On a des trucs à mettre à sécher, ça on va manger, donc let's go, hein. On va continuer notre aventure, on est bien parti. On va allumer le feu tout de suite. Parce qu'on a très faim, comme ça on va pouvoir mettre un petit feuille dessus. Et on va mettre un lézard, on va manger les deux lézards, hein. Ça nous fera pas mal de calories. Du coup là on va mettre la viande qu'on a ici. Hop, hop. Et voilà. Il nous faut une carapace de tortue, on va aller dans le sud. Donc on a pas mal de choses à faire, on va aller faire un petit camp au bateau, comme j'avais dit. Hein. Ensuite, on a la grotte 5 à faire, en priorité, puisque on va aller chercher l'appareil respirateur. J'ai plus envie de dire appareil respirateur, le respirateur. J'ai plus envie de dire ça parce que vous savez comment... actuellement, on entend parler des respirateurs, et vous savez à quoi ça sert dans les hôpitaux, hein, en réanimation. Du coup, c'est le matériel de plongée qu'on va aller chercher. Hein. Voilà. On va employer un terme plus exact. L'appareil de plongée, comment ça s'appelle, le mélangeur, hein. C'est un mélangeur oxygène machin, je sais pas quoi là. Je ne connais pas très bien en plongée. L'appareil de plongée, on va dire. Alors, on va faire. Bon, pendant que ça cuit, on va aller finir notre petit piège à lapin. Parce que il nous faut beaucoup de peau de lapin. Et du coup, ça serait bien, ça serait vraiment idéal si on pouvait attraper deux lapins, histoire de les mettre en cage. Ah oui, on peut pas ramasser plus de bâtons. Attendez, j'ai une peau de lapin là. Yes. Donc, on va déjà se faire un sac à bâtons. Comme ça, là, on peut emporter 10. Avec le sac à bâton, on pourra emporter 20. Le sac à bâton, il nous faut une peau de lapin, 3 tissus et 2 cordes. 2 cordes. 1, 2, 3 tissus. Et voilà, comme ça. C'est déjà ça. Peau de raton laveur, peau de cerf. Du coup, les bottes, ça doit être 2 ou 3 peaux de lapin, je crois. La poche pour les baies, il y a des oiseaux là-bas, il nous faut des plumes. La poche pour les baies, c'est... il nous faut des peaux de lapin aussi. Non, la poche pour des baies, c'est... ouais, si, c'est les cailloux, c'est une peau de sanglier. Donc, c'est des peaux de lapin. Alors, on va récupérer des plumes pour se faire nos premières flèches. En tuant les pauvres oiseaux. Hop, voilà. Il m'en faut une dizaine, on va dire, hein, de plumes. Hein. Allez, encore un oiseau, ça sera bien. Ici, on va continuer de faire ce piège. On va faire une cage aussi. Il faut rester à proximité pour qu'il y ait un lapin. Si on s'éloigne, qui rentre dans le piège. Hein. Si on s'éloigne trop, les animaux dépopent. Et du coup, enfin, normalement, il y a quand même une assez grande distance. Je pense qu'à portée de vue, à peu près ici, on devrait voir des animaux assez loin là-bas. Au moins au niveau de la grotte, je pense. Je pense, hein. Et après, si on est vraiment loin, les animaux dépopent et du coup, on peut plus en attraper.
Alors ça serait vraiment bien d'avoir un couple qui pourrait se reproduire. Les animaux se reproduisent quand on dort, c'est comme les arbres, hein. Ils repoussent quand on dort. Si on a activé la repousse des arbres. Voilà, j'ai mis ça. Je vais pas mettre de nid d'oiseaux du coup, parce que je vais juste récupérer des plumes comme ça. On va récupérer des plumes, des flèches modernes, du coup c'est pas la peine, il nous en faut pas plus. Hop, voilà. J'ai vu une plume là, partir, mais je vois plus. Ok, on a perdu une plume. Nice. C'est pas grave, j'en ai 10, non? J'en ai 10, c'est bon. Par contre, on a plus de bâton. Je vais mettre un plan de cage à lapin ici. Hop. Voilà. Oh non, c'est vrai? Oh génial, alors c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh punaise, la chance, la chance, la chance, la chance. Énorme. On va faire la cage tout de suite pour le mettre dedans tout de suite. Et si on pouvait en avoir un deuxième, ça serait vraiment génial. Alors, on a beaucoup de choses à faire, donc on va aller au sud chercher l'appareil de plongée. Comme ça, ensuite, on pourra aller dans les grottes sous-marines, chercher l'arbalète en priorité. Puis on fera peut-être les autres grottes sous-marines pour aller chercher les plans, si vous voulez. On peut faire ça. Mais sinon, il faudrait aller dans la grotte 2 ensuite. Bon, déjà, on va faire la grotte 5. Mais... je sais pas si on aura le temps de faire la grotte 5 et la grotte 2 en ayant fait avant les grottes sous-marines. Enfin, parce que le chemin pour aller aux grottes sous-marines, c'est assez long. Voilà, nice. Alors, des fois on me le demande pour prendre un lapin, on s'approche. Vous voyez, c'est marqué hein, E. Voilà. Si j'appuie pour le tuer, un lapin qu'on tient, c'est ça qu'on me demande. Il faut, tu fais M1, hein, souris 1, le bouton gauche de la souris. Et ça va tuer le lapin. Puis après, t'as plus qu'à le dépiauter. Et puis voilà. Et si tu fais G, si je fais G, je vais lâcher le lapin par terre et puis il va s'enfuir. Et sinon, là, je fais C. Et puis je vais le mettre dedans, du coup. Hop, voilà. Ça fait un lapin en cage. Donc j'ai déjà un lapin dans mon élevage. On va réactiver le piège tout de suite. Si on pouvait attraper un deuxième lapin, ça serait l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal. Comme ça, j'aurai un petit élevage en plus des lapins que j'attraperai comme ça dans la forêt. Je pensais vraiment pas. Franchement, je pensais pas avoir un lapin. Je me suis dit, je vais le faire parce que ça me semble logique tout de suite, quoi, d'en faire un tout de suite. Mais je pensais pas en avoir. Je vais regarder. Là, il y a l'avion. Je vais regarder. Ah, je suis épuisé. On avait mis un truc sur le feu, non? Oh, j'ai oublié ma viande sur le feu. Voilà. Bon, c'est dommage. Faut éviter d'oublier la viande sur le feu. C'est parce que j'essaye d'expliquer en même temps plein de trucs. Du coup, c'est de votre faute. Du coup, j'oublie. Hop. Du coup, alors, on a une belle viande carbonisée. Oh non, je voulais pas prendre ça, je voulais allumer le feu. Du coup, il m'a augmenté ma soif. Je crève de soif, du coup. Très grave. Oui. On peut boire un coup, hein, ça va pas nous tuer. Voilà. Avec la hache, ça va pas. Si. Voilà. Ça a quasiment pas augmenté, hein. Ça a quasiment pas augmenté, c'est pas grave, ça c'est la survie, hein. On est en pleine survie, ça va, ça nous a pas empoisonné ni rien. On est bon, on a juste soif. On va... attends, j'ai plus rien sur moi. On va prendre lui, du coup. On va mettre ça dessus, et on va aller... Il y a des baies là-bas, je pense, hein. Il y a des baies des murs, je pense, là-bas. Oh, un poisson.
Là, on est en train de nager. On est positif en calories, du coup, ça nous fait... ça nous fait rien gagner du tout, parce qu'il faut nager sous l'eau. Voilà, ça, c'est des bonnes baies comestibles. Ça va faire monter notre... Ça va réduire notre soif. Et en plus, ça nous nourrit. C'est excellent pour la santé. Je vais reprendre un... j'ai pas d'aloe. D'accord, bon, je vais prendre un médoc normal, alors. J'allais me faire, avec de l'aloe et du souci, un soin aux herbes. Oh, c'est quoi, ça? Oh, c'est la console. Les flèches, les à côté du W, entre W et Shift, là, les flèches, là. Ça fait ouvrir la console. Allez, donc c'est en nageant sous l'eau qu'on gagne de l'athlétisme. C'est pas en nageant à la surface. En nageant à la surface, on gagne rien. C'est encore sérieux? T'es sérieux, quoi? Ah, il est là, le bout de viande. Disais, merde. En faire un feu normal. Un feu avec des rochers, ça sert à rien. Enfin, ça dure plus longtemps, mais on s'en fout, en fait. Et du coup, j'ai plus besoin de faire cuire du tout, parce que je suis à fond. Yep. Bon, on est bien, on a notre petit lapin. Oublions le feu. Là, on n'a pas attrapé d'autres lapins. Alors, on a nos plumes. On va pouvoir faire des flèches. Hop, ça va me faire des flèches enflammées, hein, surtout. C'est surtout ça. Non, j'ai pas d'alcool, là. Du coup, je sais pas. 4, 5. Voilà. Wesh. Il nous faut tellement de peau de lapin, en fait, que... Bon, des plumes, j'avais plus besoin. On va pas attendre, hein. On va aller vers le sud directement. J'aurais bien voulu attendre, mais si on attend de prendre un deuxième lapin, on peut attendre très longtemps, je crois. On a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. Et voilà, quoi. Bon. De toute façon, on verra plus tard. On va passer par ici. On a l'avion qui s'est écrasé ici. On va récupérer ce qu'on peut dans les bagages. Il n'y a que 2-3 bagages. Hop. Voilà. Parce que si on est déjà à mi-journée, si on veut pouvoir faire notre camp sur la plage, il faut pas traîner. Faut pas traîner. Hop. Bagage, là il y a un bagage. Non, là-bas il y avait un bagage, je crois. Ouais, là il y en a aussi, ok. Voilà. Voilà. Alors, direction... direction le sud. Vous voyez là, ici on voit de la mousse sur l'arbre, là aussi. Vous voyez, la montagne, elle est là-bas, si vous ne savez pas. La montagne, c'est le nord. La mousse sur les arbres, ça indique le côté au nord. Et donc, nous, on va à l'opposé, on va au sud. C'est des baies empoisonnées, on n'en a pas besoin. Baies empoisonnées. Ici, on a l'emplacement... On a un emplacement de cache d'armes ici, normalement. Voilà, ici. On fera ça plus tard, on fera toutes les caches d'armes ensemble. On a vu une plante là, hop. On va la prendre. Impossible de porter plus. Normalement, il y a de l'aloe, souvent. Souvent, il y a de l'aloe par ici. Là, on a encore des myrtilles. Dommage qu'on n'a pas une poche, hein, une poche à B. Pour les... Ah, aloe et nec. Excellent. Il en faudrait plusieurs comme ça.
Encore, voilà. Pour stocker nos baies, ça serait bien, hein, une poche à baies. Mais on n'a pas encore suffisamment. On a vu quelque chose là? C'est quoi ça? Ah, c'est un petit champignon, on l'avait pas encore découvert. D'accord. On va le manger, c'est un comestible. Hop. Ok. Du coup, on est là. Bon, on est bien. Du coup, c'est par là. Hop. On voit la mousse ici. On va aller par là. Normalement, il y a un campement pas loin, là. Pas loin du lac, au sud. Là, il y a le point d'eau. Ben, le campement, il est là. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas la peine de faire trop de flèches en bois, puisque on a des bagages ici. Des caisses avec plein de flèches modernes. Je peux encore en récupérer 10. Voilà. Impossible. J'étais déjà à 30. Alors on peut en avoir 30 flèches. Maintenant, il faut se faire un carquois. Du coup, on n'a pas de quoi se faire un carquois. Carquois, c'est avec de la peau de cerf, je crois. Pas du tout. Pas du tout. C'est que de la peau de lapin, alors. Le carquois. D'accord. Le sac de lance, il faut beaucoup de trucs, hein. La gourde, il faudrait deux pots de serre, donc il faudrait qu'on trouve un autre serre pour se faire une gourde, ce serait bien. Du coup, on va pas ouvrir les autres bagages, ça sert à rien. Quoique, je me demande si ça repop pas, ces bagages. Là, il y a une gamelle encore, une casserole si on a besoin, un ruban adhésif, de l'argent... une casserole, ça, on peut les sur les feux, une casserole pleine sur un feu qui s'éteint, et ben la casserole se duplique. Du coup, ça vous fait deux casseroles. Du coup, si vous voulez faire une collection de casseroles, ben, on sait jamais quoi. Ben vous faites ça et puis voilà. Oh, attends, je vais prendre ça pour me protéger si je suis attaqué. C'est quoi ça, Pierre? Souci. On approche de la grotte 5 normalement. Du coup, on a souci plus aloe. Ça nous fait un cocktail de santé qui nous restaure de la santé. Hein. Je sais plus combien, mais pas à fond. Hop. Non. Si je fais souci plus aloe plus cornflower et kinacé. Ça nous fait un cocktail de santé plus. Et ça nous remet à fond notre vie. Donc c'est intéressant. Oh, on a des bagages là. Hop, on va se faire les bagages. Vous êtes gentils, hein, les indigents. Les indigents. Attends, je suis en train de chercher la mousse sur un arbre parce que je me suis perdu. Il m'a fait des dégâts là, hein. Il m'a tapé dans le dos, hein, l'enfoiré. Donc pas d'honneur, hein, c'est une créature là. C'est bon, c'est par là. Ces créatures. j'ai tourné. La grotte 5 ici, non? Elle est où? Ah voilà. C'est l'entrée corde de la grotte 5. À lapin. À lapin, à lapin, à lapin. J'ai pas mis... Hop, voilà, nice. On a pas vu de biche? Attends, on récupère la flèche s'il te plaît, merci. On n'a pas vu de biche, il me faut une deuxième peau de biche pour faire une gourde. On n'a pas croisé une biche. Est-ce que j'ai mis l'arc par exemple? Non, j'ai pas mis. Du coup, on va le mettre en 3. Ok, on va mettre ça en 2. Je la prends pour me protéger quand je suis attaqué. Et en 4, c'est la hache de l'avion. En 1, c'est la lance. Ok. Ah bah on va manger quelques petites myrtilles. Hop, voilà. On n'a pas vu de biche. J'aurais bien voulu croiser une biche quand même.
Normalement, aux environs du camp, le camp qui était là. Et normalement, dans les environs de ce camp, il y a des biches. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'animaux dans ce mode. Hein. Dans le mode survie difficile. Hein. Vraiment pas beaucoup. En mode facile, il y a tout le temps plein de biches partout. On a vu une biche là-bas, non? Ouais. Prends ta lance. Merde. Yes. Bien visé. Alors, maintenant on peut aller sur la plage. Bon, le soleil se couche. Est-ce qu'on va avoir le temps de... C'est quoi ça? Champignons. On les a déjà vus? Ouais. C'est des champignons empoisonnés, ça. Hein. Encore un lapin. Damne. T'es où? Il est parti. Je vois plus, dommage. Dommage, on verra ce qu'on peut crafter sur la plage. Attends, je suis en train de me perdre là, non? Ah, la grotte est là. L'entrée corde, on passera par l'entrée grotte. L'entrée grotte est ici. L'entrée grotte. Dans le noir, c'est ouf. Hein, en noir, on voit rien. Putain. L'entrée grotte est là. Voilà. Encore un lapin ici. C'est ouf. C'est ouf. Du coup, on a pas de lumière. Ici on peut s'installer aussi si on veut. C'est bien. C'est pas mal non plus. Hein. Les grottes pour démarrer, s'installer dans une grotte, c'est vraiment top. Hein. C'est tellement safe. Si on n'est pas sur le bateau, une grotte c'est vraiment l'idéal. Quoi. Parce que bah, les gros mutants, ils peuvent pas rentrer dans les grottes non plus. Hein. Du coup, c'est tellement safe une grotte que voilà quoi. Faut pas chercher. Hein. Donc là, il y a un petit campement normalement près de l'ancre. Il y a une gamelle, il y a de l'adhésif. Hop, une casserole. De l'adhésif, on va le prendre. Et puis, peut-être d'alcool quelque part là. Ouais. Hop. Il n'y a plus. Voilà. Là, on voit pas, mais l'épave du bateau est là-bas. On va y aller chercher l'arbalète. Mais. Des myrtilles, on va le prendre. Il nous faut l'appareil de plongée. Hein. L'appareil de plongée pour. Il nous faut la combi de plongée pour aller chercher tout ça, quoi. On va direction le bateau, on va se faire un petit campement vite fait. De toute façon, on va pas dormir. Hein. On va pas perdre de temps. Je vais utiliser la nuit pour travailler. Je vais fouiller ces bagages là. Bah, du coup, c'est des bagages qui repopent ça. Hein. Je veux dire à distance. La lune. À distance. Si j'y retourne, je vais ouvrir ces deux-là. Si j'y retourne, les bagages auront repop. Hein. Hop. Le rire de Gogol. Le rire de Gogol. Voilà, on a voulu me mettre un coup dans le dos. Traître. Lâche. Lâche. Ils sont marrants quand même. Hein. Ils sont marrants. Hop. Et ouh.
Je vais prendre mon arc, on va se les faire, ça nous fera des os. Hop. Je l'ai raté, sérieux. Putain, ouais. Putain, mais oh. Ça y est, quoi. M'arrête, mec. M'arrête de marcher dessus comme un crabe. Arrête de marcher. Quand veux-tu que je te rate pas aussi, tu marches comme un crabe. J'ai mis où ma flèche? Elle est là. Allez, un petit peu de fune. Un petit peu d'entraînement. C'est pas fort normalement, enfin normalement c'est un peu fort quoi, mais... Faudrait que je mette une flèche dans la tête, mais... Il bouge beaucoup, hein. Il est mort, là? Ah, elle lui a mis un coup. Ah, elle lui a mis un coup. Ah bah merci, Merci, ma chérie. Ah, j'ai raté sa tête, dommage. Elle lui a mis un coup, du coup, elle l'a achevé, quoi. T'en vois pas, t'as mes flèches sur toi, hein. Voilà. Nice. Bah ça va nous faire des os comme ça. Ok. Bon, ça va, ils m'ont pas trop touché, non, c'est bon. Allez. Ça fait du bien, un petit combat comme ça pour le fun. Ah, ils sont pas trop chauds, hein. ils sont pas très, très forts ceux-là. Alors, on va s'installer ici. Ouais, on mettra le bateau là. Ok. Allez hop. On va se mettre là comme ça. Là, on a de la viande sur nous à mettre. Hop. Voilà. Si on a des tortues, hein, il nous faut des tortues. Il nous faut une carapace de tortue pour... Ça va, toi? Pour notre camp là-bas, puis il nous en faut une pour ici. Attends, j'ai mis ma hache là. Hop, désolé. Voilà, du coup, je vais pouvoir mettre un collecteur d'eau ici tout de suite. Yep. On va faire un petit feu direct. Comme ça, on va mettre les corps des deux autres zozos dedans. On va mettre un banc. Un banc, voilà. Hop, pour se reposer. Et on va mettre aussi un bateau, comme ça. On va monter tout ça. Hop, ça sera prêt. 4 cordes. On n'a pas assez de cordes. Il y a des cordes là-bas. On va mettre les cordes sur le feu. Il y a des cordes là-bas, près du lac, sur les barques. Mais on va prendre... Il y a des cordes sur le bateau aussi. On va faire des cordes avec des tissus. Oula! Oh, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds, hein, les gars. Qu'est-ce qu'il fait là, ça va? Ils sont en train de se battre à deux. Ah bah ça, c'est le plus jeune qui veut prendre la place du chef. Sérieux, mais je sais pas. Des fois, ils, en voulant me frapper, ils... Hop, j'en profite pour l'achever au sol. Ouh là là, j'ai plus d'énergie. On est dans le mal. Attention, on est chaud là. Putain, regardez l'autre bâtard, qu'est-ce qu'il fait? Putain, l'autre fion là, tu pouvais pas prendre la viande. Tu pouvais pas prendre la viande dessus, espèce de fion là. Il a cassé le truc, mais normalement, normalement, il mange la viande qui est dessus, mais c'est rare qu'on le voit casser le truc, hein. Je trouve que c'est assez rare, hein. Attends, je vais me mettre là, tranquille. Hop, on va faire ça. Je suis comment dans le bouquin en stats, là?
Ça va, ok. Bon. Du coup. On va aller. On va faire. Attends. Ah mince. Ouais, je voulais les allumer avec l'arc depuis le rocher. Ils vont me faire. Elle est où la lune? Putain, ça va être le matin. Ils vont me faire perdre ma nuit. Oh, l'horreur. Mince. Je suis loin. Hein. Je suis un peu loin pour tirer à l'arc, je trouve. En plus, il bouge vachement. Je vais retourner sur la plage. Au contact, c'est pas plus facile. S'il pouvait arrêter de bouger un instant, que je puisse lui mettre un headshot, hein? Ah, je l'ai raté, mince. Ah, je l'ai eu. Yes. Suivant. Hop. Et voilà. Tranquille. Bon. Ça va nous faire des os, ça va nous faire de l'armure, ça va être excellent. Là, tu reviens là-bas. Oh, il a cassé mon séchoir, l'autre. Le fou. J'avais mis un corps, là. Les os, ils ont disparu. Ça, c'est dommage, hein. Parce qu'on s'éloigne un peu, les corps disparaissent. Les os disparaissent. C'est dommage, hein. Le cri. Oh, il fait trop rire. Hein. Voilà. Des headshots, ça. Si, ça pardonne pas. Ok. Voilà. Hop. Il y en a pas. Oh, super, super. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Ah, je me suis foutu dans le feu. Merde. Voilà. Le retour du vrai. Le retour du vrai Philippe. Qui se met dans le feu sans arrêt. C'est ça que je voulais. Ça, c'est excellent, ça. J'adore. La massue indigène. Comment ils appellent ça? La massue. Ouais, j'appelle ça la massue indigène. Parce qu'elle bloque tous les dégâts. Elle est comme... Elle est comme quoi déjà? Elle est comme la hache rouillée. C'est la hache rouillée, je crois, qui bloque tous les dégâts aussi. Du coup, c'est excellent. J'adore. Puis j'adore l'allure, quoi. En plus, avec la tête de serpent, ouais. Ok. Du coup, je vais la mettre sur le sac. On va la mettre à la place de la massue artisanale. Ok. Cool, il y a encore un corps là-bas. J'ai peur de m'éloigner puis de perdre tout ce qu'il y a dessus là, sur le feu. On va remettre notre séchoir du coup, qu'ils ont vilement détruit. J'ai plus assez de machin. J'avais de la peau de lézard, j'aurais pu la mettre en armure. On va la mettre tout de suite. Ça sert à rien d'autre la peau de lézard, il me semble. Du coup, c'est que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 7, je crois, ou c'est 6 ou 7. 2, 3, c'est 7. Voilà, ça nous fait de l'arme. Non, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, tissu. Voilà, ça nous fait de l'armure d'os. Excellente armure. Hein. On va reprendre un petit médoc comme ça. Hop, voilà. Nickel. Bon, voilà. Comme ça, maintenant, on a de l'armure. Et là, il y a un médoc qui traîne que j'avais pas ramassé tout à l'heure. J'étais full. Là, il y a encore un corps, normalement, si elle a pas disparu. Là. Les bagages, est-ce qu'ils ont un repop là-bas? Je pense que oui. Donc, ce qu'on va faire, faut que je finisse le bateau. Hop, ils ont repop. Je suis pas obligé de prendre la masse par contre, parce que ça prend de l'énergie. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu la main sur les headshots à l'arc. Malgré l'utilisation de l'arc artisanal. C'est plus facile de le faire avec l'arc
moderne. Hop, ils ont déjà repop les bagages. Je vais, c'est dingue, hein. Je suis ici, je fais ces bagages là. Les autres pop et je crois qu'il y avait un lézard. Attends, j'ai envie de... Ah, le feu s'est éteint, merde. Je vais retourner voir. C'est carrément, c'est vraiment infinite quoi. Je fais 50 mètres de là à là et les bagages repop. C'est dingue. Vous avez vu? Les bagages repop. Ouais. Hop. Allez. Ok. Bon, on va pas passer la journée à faire ça non plus. Mais bon, c'est intéressant. Faire le plein de trucs, hein, si on a besoin de... je sais pas quoi. Hop. Les bagages en repop. Ouais. C'est fou. 50 mètres. C'est cool. Allez hop, des snacks, des tissus, de l'alcool, de l'adhésif, des médocs. Voilà, on peut faire le plein. Enfin bon, après, faire l'aller-retour pendant des jours, ça c'est pas très marrant non plus. Bon. Cette petite incursion indigène. Tu t'allumes ou... Tu t'allumes ? Cette incursion indigène était bien sympathique. C'était fort sympathique, voilà. Il n'y avait pas un autre corps que j'avais pas ramassé. Il a disparu, je pense. J'avais pas eu le temps de le ramasser. Ouais, il a disparu. La tombe. La tombe, donc il y a une cassette audio. Et une photo. Et du coup, sur le bateau, il y a le lecteur de cassette audio. Et on voit qu'il y a la date 84 hein, sur la photo du bateau. Et puis sur les magazines du bateau. On voit que c'est... de toute façon, les cassettes audio, c'est ça. Hein, c'est les années 80, 1980. Du coup, voilà. Ça nous donne... pour l'histoire du bateau, ça nous donne une approximation d'époque. Les années... j'ai pas de bâton. Les années 80. Comme les missionnaires catholiques, là, eux, c'est plutôt du 19e siècle. Hein, 18e ou 19e. Puis après, il y a les tentes modernes aussi. Du coup, il y a eu plein de passages à différentes époques. Il y a l'époque actuelle aussi. Hein. C'est assez complexe. L'histoire est assez complexe, mais assez fouillie aussi. Assez fouillie aussi. Je trouve que quand on creuse un peu les indices, enfin tout ça, quoi. C'est pas... Ça devient assez... assez brouillon quoi, le fond de l'histoire quoi. Il faut juste voir l'histoire principale, enfin c'est assez secondaire en plus hein, l'histoire hein. Mais voilà, faut pas non plus essayer de chercher trop en profondeur hein. dans les détails hein, je parle hein, surtout hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça et ça bon. On devrait déjà avoir commencé la visite de la grotte 5. Voilà, du coup, du coup, je suis assez content que ça vous plaise ce format. C'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé. Enfin, souvent, on me demande. On me dit ouais tu montres ça mais t'as pas montré comment y aller dans cette grotte ou à cet endroit là quoi. Et du coup ben voilà quoi, si vous suivez si je fais pas de coupe, ben si vous suivez vous verrez un peu les chemins que j'emprunte. Voilà, j'ai récupéré une carapace de tortue, c'est bon. Pour le camp là-bas. Euh,
Bim, bim. On va faire le bateau. On a pris un peu de retard. On a pris pas mal de retard. On va manger ça pour se redonner de l'énergie. Je pensais avoir le temps, mais c'est les indigènes nous ont fait perdre tout notre temps cette nuit. Hop, on va remettre ça dessus parce que si on garde ça sur nous, ça va pourrir. Du coup, c'est pas la peine. J'ai bien envie d'aller. Ouais. On va faire la grotte 5. Hein. Nous faut en priorité. Hein. Nous faut l'appareil de plongée en priorité. Si on veut aller chercher l'arbalète. Mais je crois qu'on n'aura pas le temps là. Fait le bateau, on va retourner. On va aller dans la grotte 5, comme ça va nous ramener au Geese Lake directement. Ça va nous ramener à notre camp de base là-bas. Comme ça, on aura fait la grotte 5. On aura récupéré le. Oh, j'ai plus d'énergie. Là, on aura récupéré le respirateur et la hache rouillée. Mais du coup, on n'aura pas eu le temps d'aller faire la hache moderne. Il nous manque des cordes. Alors des cordes, on a du tissu, on a 135, bon, c'est bon. 4, 5, 6, 7, 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Allez. Bon, sinon c'est pas mal, hein. Je pense que on avance bien quand même, je sais pas, ça va pas me prendre le magazine. Normalement, on nous voit une date dessus, non, je crois. 84, ouais. Top Brands of 1984. Le top des marques de 1984. La photo de l'ours en plus. En plus, Polaroid, hein, c'est vachement. Enfin, ça existe encore, Polaroid. Ouais, je crois. Ça existe encore, mais non. Hop, 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 hop. Voilà. Le lecteur de cassette. Hein. Intéressant, le lecteur de cassette. Si on perd trop de santé mentale, on peut l'utiliser pour récupérer la santé mentale. On peut dormir aussi pour récupérer la santé mentale. Puis manger sainement et boire sainement. Manger de la viande, du poisson, un truc comme ça. Dormir, s'asseoir aussi pour se reposer. Bah ouais, bah voilà. Puis écouter de la musique. Bah, je crois que c'est tout, hein. Si on a vraiment... Mais les il n'y a pas de malus de santé mentale, donc on va sauvegarder ici. Allez, go. Hop. Voilà. Alors, on va... Ici, c'est la clé... donc, ça c'est... il faut la clé dorée qu'on a à la fin du jeu, en finissant le jeu, hein, pour pouvoir ouvrir cette porte qui donne accès à un artefact qui nous permet d'activer le mode horde ou bien alors de repousser tous les ennemis, hein, suivant comment on l'allume. Donc c'est, si on reste, bon, c'est vachement bien quoi, hein, de pouvoir activer un mode horde, bon, ça permet de s'amuser un peu quoi, parce que sinon après, à part faire ça ou construire... Comme on a déjà tout fait, en principe, bon allez, on va aller faire la grotte 5 parce que le temps il passe là, et puis on n'a pas, j'allais dire on n'a pas avancé, j'ai pas fait mes objectifs de l'épisode, mais on a été attaqué, tout ça, bon c'est un peu tant mieux, c'est un peu fun comme ça, parce que sinon,
En mode survie difficile, si on n'est pas attaqué, si on n'est pas un peu en danger, c'est con. Je vais faire ma lance améliorée, pendant que j'y pense. Hop, voilà. Dommage que j'ai pas assez de poids de lapin. Il faudrait que je prenne le temps de chasser lapin, tout ça. Les bagages ont encore repop. Mais bon, c'est parce que j'essaie d'avancer pour la vidéo. J'essaie d'avancer l'histoire en maximum. Tip. Allez, on va faire la grotte 5. Est-ce qu'on va avoir le temps? Ouais, bon, de toute façon, on va essayer de prendre le temps. Comme ça, la grotte 5, ça va nous ramener à notre base. Et puis voilà. Donc, j'aurais pas fait la grotte 2 dans cet épisode comme prévu. Désolé. On le fera dans l'épisode suivant. Empoisonné, j'en ai pas. Non plus. On fera dans l'épisode suivant. Comme ça, dans l'épisode suivant, on fera la grotte. On fera les grottes sous-marines. On ira chercher l'arbalète directement. On reviendra sur la plage. On ira en bateau chercher l'arbalète. On fera les deux autres grottes sous-marines en même temps, tant qu'on y est. Puis on fera la grotte 2. Comme ça, mon aventure avancera bien. C'est parce que là, j'ai perdu un peu de temps avec les cannibales. Et j'avais pas pris ça en compte dans ma tête en prévoyant mon avancement dans l'histoire. Mais bon, c'est fun, quoi. C'est fun. Ça va, je mets encore des bons headshots. Hein. Surtout avec l'arc artisanal. Du coup, là, il y a des indigènes. On n'est pas très sneaky, hein. On n'a pas les bottes en peau de lapin. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça qu'il faut les faire, mais... On fait comme on peut. Hein. On va essayer d'avancer. Je crois qu'ils sont réveillés. Hein. Dans la grotte 2, on a plus de chance. Ouais. Attends, est-ce que je peux tester un truc? Si seulement ils pouvaient ne pas bouger. Attends. Ils sont... Ah non, il vient vers moi, l'enfoiré. Je sais pas si j'ai eu l'autre. Je crois que c'était côte à côte. En même temps, avec le bâton de dynamite, on peut pas récupérer les os. Hein. Il y a plus d'os. Il y a plus d'eau, il y a plus rien. On l'a même pas eu l'autre. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a de bien? On a ça. Et où l'autre? Ils me font perdre du temps, c'est chiant, ils me font perdre du temps. Il est là. J'ai pas beaucoup d'énergie là. C'est chaud! Je crois que juste ça, c'est pas terrible hein, pour les tuer. Ah, ça y est, il est mort. Ah, il y a encore une bombe là de lac. Et l'autre? Il est mort? Ah, bah oui, il est mort. Ah, bah cool. Cool, du coup, je vais les cramer. C'est vide? Ah, c'est vide. Jette là du coup. Ok. Il la jette. Du coup on peut ramasser l'autre. Bah, je crois que c'est... si on a une bombe vide, c'est un peu buggé je crois. Si on ramasse une bombe de lac
alors qu'on a encore la bombe vide sur nous. Enfin, je sais pas. Je crois que c'est un. Non, je sais pas. Je crois qu'il y a un bug. Peut-être qu'il est plus là le bug, je sais pas. Attends, prends ta lance. Ah ouais, je l'ai pas mise dans sur le sac. Alors on va la mettre tout de suite. Hop. On va la mettre à la place de la lance simple, là, voilà. On a perdu du temps. Bon, de l'argent, ok. Des bagages. On va vider ça. Il y a la jambe du robot de Timmy ici, dans cette grotte 5. On va ramasser la balle, c'est dingue ça. Voilà. Voilà. Première pièce qu'on ramasse du robot de Timmy. Les autres os, ici, on va les ramasser. On va se faire de l'armure d'os. Voilà. On va la mettre. On va manger un peu. On va récupérer. On peut s'en faire une encore. Yes. Hop, hop, nice. Voilà. Du tissu, bon, il y a plein de tissus. Des pièces. Là, il n'y a rien. Ça, c'est encore du tissu. Là-bas, tout au fond, il y a une torche. Pas ici, hein, là-bas. Là, il y a un dessin de Timmy. Ok. Là-bas, tout au fond, il y a une torche électrique. Qu'on pourra mettre sur une arme, par exemple sur l'arc, hein, parce que hein, c'est pas mal de pouvoir utiliser l'arc, parce que sinon si on bande l'arc en tenant le briquet, ben on range le briquet quoi, donc c'est chiant. Bon, on voit plus rien. Voilà. Alors il y a des gens ici. Le faire sauter, ça me ferait gagner tellement de temps. Attends. Si je balance ça. Ça va les attirer, non? Ça pourrait gagner du temps. Sinon, je récupérerai bien les zones et. Ils étaient combien là? Allez, allume ton briquet! Voilà, il est mort, ok. Voilà, il n'y a plus que. Bon, il n'y a plus d'os à récupérer là. Hein. Rien, ok. Bon, je n'ai pas récupéré les os sur lui parce que j'ai pas le temps. Ok, du tissu, là c'est plein de tissu, les caisses là. Allume. Là-bas il y a la torche électrique, on va la prendre. Voilà, merci. Des snacks. Corps momifié. Ah là derrière il n'y a rien, il y a juste des cœurs comme ça. Ok. De l'alcool, on va prendre. Ah, je suis à fond. Je vais refaire des molotov. Quoi ça? Ah non, ça. Ok. Allez. Hop. Ah, je sais que souvent, c'est vrai qu'on me dit comment tu vas là, comment tu vas là. Tu me montres comment récupérer ça, mais on sait pas par où t'es passé. Ah, j'essaie de montrer sur les cartes, hein, mais bon après. Montrer tout le. Hop, on croit des missionnaires. Hein.
j'essaie de montrer sur la carte, mais après je peux pas montrer tout dans un tuto. C'est compliqué de tout montrer dans un tuto. J'essaie d'en montrer le mieux que je peux, mais du coup ici si je fais pas de coupe, comme ça vous voyez à peu près tous mes déplacements. Quoi. Alors, hop, on va équiper le recycleur, quoique si je plonge normalement il se serait équipé tout seul, je pense. Attends, je vais enlever là, ouais. Si je plonge, il va s'équiper tout seul, non ? Ouais, voilà. Ok. C'est quand même agréable hein, de se replonger dans The Forest. C'est vrai que j'ai un petit peu lâché. Du coup, bon, je redécouvre un peu. J'ai encore, bon, j'ai encore mes connaissances dessus, mais. Des moments, là, regarde, comme là, bon, je me dis. Il s'équipe auto le machin ? Je le sais, mais bon. On redécouvre avec plaisir. Là, il y a des petits machins. On va les laisser sauter sur nous. Comme ça, ils vont se noyer dans l'eau. Venez. Venez, venez, venez. Ils sont tous... il y en a encore un. Allez, viens. Hop. Et voilà. On commence à avoir froid, là. Vous voyez, c'est pour ça que... Avoir la combi chaude, ça serait super. Il y avait du soda, il y a des fusées, et des fusées, il nous faudrait le lance-fusée, ça serait bien. Mais le lance-fusée est loin dans le nord, donc on verra ça la prochaine fois. Allez, on continue d'avancer. La hache rouillée. Le respirateur, on aura tout ça, c'est déjà bien. On a bien avancé quand même. Hop, les rochers, on met ça là-dessus. J'en ai mis 4. J'ai réussi à en poser 4. Ah non, on peut continuer d'en poser. Ah ouais. Je pensais que... Qu'à 3, après on pouvait plus quoi. Hop. Les missionnaires momifiés qui sont en train de... De prier devant l'artefact, le dessin de l'artefact. Alors, allume ton briquet là, qu'on y voit quelque chose. Voilà. Une Bible. Des Bibles, des crucifix. Ça, c'est un campement. Hein. Ça, c'est un vieux campement de missionnaires, du coup, hein, on voit. Hein. C'est, ça date. Enfin. Quoi que je sais pas si c'est un. J'ai dit comme ça, je sais pas si ça date. Fin 19e, peut-être. Mais je pense pas que ce soit si vieux, hein, ce genre de camp comme ça. Le dessin. On a vu la photo de 1984, enfin Polaroid, la photo Polaroid de la Virginia. Ici on voit le dessin. Parce que les missionnaires n'avaient pas de Polaroid à l'époque. Alors, la hache. On a froid. Hein. Ce serait bien d'avoir la combi chaude. Hein. On a tout ramassé là ? C'est bon ? Il y a un truc là, c'est quoi ? C'est marrant. Un magazine. Un magazine. Du coup, ça serait de quelle époque ça ? Bon, allez, on y va. On perd du temps là. On passe ici. On va ressortir dans le Geese Lake et puis on sera arrivé. J'espère que la vidéo soit pas un peu longue. Hein. J'espère que je voulais réduire à 50 minutes. Enfin bon, il faudrait parler un peu moins. Et puis je pense que si on n'avait pas été retardé un peu par les petits coquins de cannibales. L'autre il casse mon séchoir au lieu de bouffer la viande. Ça, je suis encore un peu étonné de ça. Et en principe, il vole la viande dessus. Là, il n'y a rien de précieux, rien de spécial. En haut, il y a un feu de camp, là, je crois. Il y a une photo de... Une photo qui révèle l'emplacement d'une cache de morceaux d'armes, si je me souviens bien.
Oups. Un petit feu, voilà. Un snack. D'accord. Une photo d'emplacement d'armes. C'est laquelle cette photo? Dans le village près du lac. D'accord. On n'est pas encore été. Hein. Bon, le feu, on peut l'allumer, mais on va pas l'allumer. On pourrait l'allumer pour se réchauffer, mais. On va tout de suite sortir. D'accord, je suis à fond. Donc en fait, s'il y a des missionnaires là-bas, c'est qu'ils ont pu, passer avant que la grotte soit inondée, quoi. Il y a eu un moment où il n'y avait pas d'eau. Là où il y a des flèches d'arbalète aussi. On n'a pas encore l'arbalète, alors bon. On les prendra plus tard. Allez, on est revenu au camp. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop, on va enlever ça. On va pouvoir mettre ça, comme ça on va récupérer de l'eau. On va... manger un morceau, on reste appuyé sur E, voilà. Allumer le feu, je pèle de froid. Hein. Hop. On va se faire bouillir de l'eau pour se remettre bien. Comme ça, on pourra sauvegarder. Et bah on sera bien comme ça pour redémarrer. Voilà, on va s'asseoir. On peut pas ouvrir le livre quand on est assis, c'est dommage. C'est dommage. Je suis un petit peu trop loin du feu peut-être là pour me réchauffer, non? On va se rapprocher. On va remettre des billets de banque dans le feu. Voilà, donc le prochain coup, ben, on fera ce que j'ai pas pu faire ici. Si au tout départ on avait commencé, on est arrivé sur la plage pour commencer quoi, si on avait débuté l'aventure sur la plage, ça aurait été mieux pour la progression puisqu'on aurait commencé par le bas. Mais bon, on choisit pas, hein, on arrive où on arrive. Hein. Donc c'est pas grave. Chaque fois on démarre différemment, comme ça. Du coup le prochain coup, bah, je ferai comme j'ai dit. Hein. On ira. On retournera sur la plage, prendre le bateau, on ira faire les grottes sous-marines, comme ça on récupérera l'arbalète, parce que l'arbalète c'est super. Et puis après on ira faire la grotte 2, là on a fait la grotte 5 entièrement, du coup ça s'est mis à jour dans le bouquin. Trouver une cuisine, explorer la grotte submergée, voilà, c'était ça. La grotte submergée, donc elle devait pas être submergée à un moment donné, elle devait pas être submergée. Mettre en place des défenses. Ouais, sans. Je sais pas. Explorer la grotte des avocats. Ça, c'est la grotte 6. Oui, c'est parce que je suis rentré pour vous montrer. Quand je vous disais que c'était bien de s'installer dans les grottes. Et ici, comment on est? Bah là, on est bien. 2600. 2066. On verra. Il y a 600 d'écart. On verra la prochaine fois si j'ai pris du poids avec 600 calories en trop. Ça, la force l'a pas monté. Hein. Non, l'athlétisme a monté, mais la force n'a pas monté depuis tout à l'heure, je crois. Bon, on est bien, on a froid. Ah, j'aurais pu me rapprocher du feu. Pendant que je parle, je suis en train de parler, je suis même pas près du feu. Voilà, jour 4. Enfin, jour 3 et 4. Du coup, prochain coup, c'est jour 5 et 6. Oh, on entend crier, il y a des ennemis qui se rapprochent. Mais là, on est safe ici, hein. Ils viennent pas ici, je crois. Et bah, on fera ça. On fera ça. Ah, ça se passe bien. C'est super. Ce jeu est super. Je n'ai qu'une chose à dire, ils sont là-bas. Je n'ai qu'une chose à dire, ce jeu est super. Allez, je sauvegarde. J'aurais pu dormir avant. Attends, est-ce que je dors? Suivant, où est la lune? La lune est là-bas. Bah non, bah on dort pas alors. On va pas dormir.
Le matin, c'est bientôt le matin, on va pas dormir. On va sauvegarder ici, par contre. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie encore énormément pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. J'espère que celle-là, elle sera pas trop longue non plus. Ah, je crois que... Elle va être longue encore une fois. Je voulais réduire à plutôt autour de 50 minutes, mais bon. Après voilà quoi. La série sera moins longue. Il y aura moins d'épisodes. Pour l'aventure en tout cas, il y aura moins d'épisodes. Mais voilà. Voilà, donc encore merci beaucoup. Et puis prenez soin de vous, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Des bisous. Ciao. Bye.